Il a fallu que ce soit le mec avec qui je me prends la tête toute la journée qui le sorte et qui me fout la honte devant tout le monde pour m'humilier comme si j'étais. C'est pas une question de honte. Je suis pas assez sauvage, je suis pas assez viril. Eh ben, grand bien t'en face. Vas-y, tu m'as pendé, tout le monde m'a tous vendé, frère. C'est bon, je m'en bats les couilles. J'ai pas le temps pour eux. Ben, t'as pas le temps, ben, ne perds pas le temps. Bah, t'inquiète pas, je le pars pas. Ah, moi, je suis content d'avoir lâché cette bombe parce que ça a foutu un peu la merde entre les deux et ça a fait tomber le masque de Julie. Parce que depuis le début, on essayait de me faire passer moi pour le mauvais mec alors que des mauvaises personnes, il y en a plein la villa. J'espère que t'es satisfait des conséquences. Mais John, c'était son but. Il fallait qu'elle te le dise. Si les gens ils te l'ont dit, on m'a demandé son avis. Non, mais de base, je parle pas. Je te pose une question. Dis-moi. Pourquoi t'as attendu le moment où les parce gens. Parce qu'en fait, c'est les gens qui m'ont posé la question parce que je m'en fous de votre relation. Je ne parle même pas de ça. La question qu'on t'a posée. Non, la vérité. La question qu'on t'a posée, c'est. Qu'est-ce que ça te fait? Voilà. Ça est-ce que tu es obligé de dire, elle a dit ça, mais elle pense ça, donc en gros, mais comme tout le monde dit tout, mais moi je dis tout ce que tout le monde pense tout bas. Anto, tu m'as donné une vraie raison maintenant de t'en vouloir encore plus. Eh ben prends la vraie raison. Amuse-toi. Anto, je vois une autre facette de sa personnalité. Franchement, ça m'étonne pas, mais ça me déçoit juste encore un peu plus. Et je suis énervé aussi contre Julie, parce que j'ai l'impression en fait qu'elle m'a humilié. Et je sais pas en fait, je sais plus quoi ressentir. Vous croyez que je vais m'abaisser jusqu'à où à vous laisser parler comme ça, comme si j'étais une sous-merde, j'avais aucune virilité? Mon frère, je te montre où j'en ai des poils, vous commencez à me chauffer maintenant. Ouais. Je vais te le montrer, ça va te faire tout drôle, frère. Ben, arrête de me prendre pour une quand je te le dis. Gargantua de mon vieil. Mais s'il te plaît, t'es pas viril. Laisse-toi encore pousser la barre parce que la vérité, c'est pas une question de poils, mon grand. C'est là que ça se passe, dans les tripes. Et toi, t'en manques cruellement, mon grand. Mais moi, cruellement. Pas de manque de confiance. Et le problème, c'est que tu fais tellement bâcher. Tu fais tellement bâcher. Que la seule chose que t'as dans les mains, que t'as besoin, c'est des pagaies. C'est de montrer. John, il a pris un sacré coup dans son ego, hein. Il est piqué. Hein. Il essaye de vider son sac sur moi, mais c'est pas à moi qu'il faut t'en prendre. Hein. C'est à Julie. Hein. Moi, j'ai fait que répéter ce qu'elle m'avait dit. Dis-moi, toi à moi. Ouais. C'est moi le mec frustré. Mais bien sûr. Qui c'est qui vient de se faire bâcher? Mais je me suis fait bâcher de rien du tout parce que je donne pas l'heure depuis deux jours. T'as donné une pagaie à quelqu'un que j'ai embrassé. Mais qui? Alors dors. Pas dormir. Parce que moi et mes poils, grand, on s'est retrouvés derrière un buisson et on les a embrassés, la meuf qui t'a critiqué moi, et qui t'a bâché. En tout cas, moi, tu me dis, elle s'est servie de moi pour te rendre jaloux. Elle a dit qu'elle voulait se servir de moi pour te rendre jaloux, pour toi te rendre jaloux avec moi. Ils se sont embrassés? J'apprends quoi? Que John et Julie s'embrassent en soum-soum dans les buissons. Je trouve ça excitant, leur petit jeu. Je suis contente pour eux. Puis ça fait taire Anthony, mais d'une puissance. Il s'y attendait pas à celle-là et je suis contente. Je t'entends beaucoup dire, toi tu te prends, toi si, toi ça, mais toi jamais, là. Mais moi je reste tranquille. Tu te prends pas pour un. Moi je reste tel que je suis. Toi t'es bien, toi. Moi je me prends pas la gueule. Tu vas être partout, tu vas tourner partout. Justement, moi. Tu es là pour parler, tu parles pour parler. Je suis là, tac, à droite. Tu veux qu'on te voie tout le temps, moi je fais pas de spectacle. Moi je suis pas un théâtre. Tu es vide, tu as pas de personnalité. Tu n'en as pas et tu es hypocrite et tu es faux parce que je me suis trompé. Tu m'as brisé, c'est simple ce que tu m'as fait. Tu es une hypocrite, tu es pourri de l'intérieur. Non, Anthony, c'est comme une jolie pomme avec un gros verre dedans, tout pourri. Oh, tu sais quoi, comme ça au moins les choses sont claires. Maintenant, je te le dis, t'avais aucune raison de ramener ça. Maintenant que tu l'as fait, moi, je suis piqué, je l'avoue. Et je te le dis, face à toi, maintenant, t'as un ennemi. Comme ça, t'es au courant. C'est parfait. Et t'en as un vrai. Je te le dis. Et du matin au soir, ouvre la bouche, tu vas voir. John, il se voit trop là, en fait. Il a un ego surdimensionné. Et d'entendre un truc comme ça, pour lui, c'était invraisemblable. Du haut de mes 27 ans, frérot. J'en suis plus loin de toi dans ma vie. Je suis pas ton frérot. Mais c'est très bien. Je le donne c'est que aux personnes qui ont du respect et qui n'aiment pas humilier, rabaisser pour elle. T'as humilié ton ex-femme devant tout le monde. Tu l'as fait passer pour je sais pas qui. Anto. Et tu viens me faire des leçons de morale. Mais arrête un peu. Comme on dit, il y a que la vérité qui blesse. Il s'énerve. Bah, en même temps, hein, fallait assumer ce que t'as fait, mon pote.